Salut tout le monde, c'est Charlène. C'est la voix, je suis malade. C'est la voix. Ok, stop. J'espère que vous allez bien. Je vais essayer de contrôler ma voix. Je suis désolée, je suis malade. Je vous retrouve aujourd'hui dans ce nouveau vlog. Et aujourd'hui, ça va pas être un vlog comme d'habitude. Je suis toute seule, je suis en pleine révision. Je n'ai rien à faire de mes journées, donc ça va être un vlog tranquille ou pépère, t'as vu. Il est 8h44, j'essaie de me lever depuis 8h, mais mon lit ici même ne veut pas me laisser sortir. Il pleut, bergère. Ok, stop. Bordel de quand t'as révision. Si toi aussi tu connais ça, mets un petit pouce en l'air s'il te plaît pour m'encourager. Je crois que prendre un petit peu d'eau citronnée avec du miel bien chaud dedans ne serait pas une mauvaise idée. Je viens d'oublier mon bol dans le micro-ondes. Vous aussi vous triez les petits grains de chocolat dans les paquets de muesli, comme ça vous en avez plus. Allez, petit thé, petit jus de citron déjà bu et muesli banane avec de l'émincé de soja. Avec ça, on est parti pour une bonne journée, donc je vous retrouve après le petit-déj. Alors, il est actuellement 10h15 et donc je suis prête pour aller à la salle. Donc aujourd'hui, ça va être séance d'eau, donc je vais faire tout ce qui est soulevé de terre, good morning, je vais essayer de faire des machines aussi pour le haut du dos, je vais bosser les lombaires, etc. Donc je sais pas si jamais je pourrai filmer ou pas, étant donné que, comme vous l'aurez remarqué, il n'y a pas Franck, donc du coup, se filmer toute seule, bah, c'est pas facile quand on n'a pas de trépied et qu'on est en train de faire de la musculation. Donc voilà, je vais aller faire ça, je vais essayer quand même de vous filmer quelques trucs. Et voilà, je vais préparer le checker, je suis en train de me rendre compte que je l'ai oublié et on est parti. J'aime pas les garages souterrains. Un oiseau a chié sur ma voiture. Comment est-ce possible alors qu'elle est dans un parking souterrain? Ou alors c'est un être humain qui m'a chié dessus? Séance finie, j'en veux plus, j'ai le dos explosé. Petit checker, j'espère qu'il n'y a personne dans les voitures à côté. Ça pétille. Donc là je vais rentrer, c'est 11h30. Je vais faire un peu le ménage. On rentre à la maison. Je viens de faire. Je suis dégoûtée.
dégoûtée. Je viens de briser mon portable. Je viens de péter l'écran de mon portable. J'ai envie de pleurer. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? En fait, je voulais le mettre sur la perche où il est actuellement et je l'ai mal mis. Et il est tombé par terre sur le goudron à plat. Et il y a l'écran tout au fond à côté du bouton là, il s'est tout fissuré. J'ai envie de pleurer. Oh. Donc du coup maintenant, mon Mac, il a l'écran brisé. Et ben mon iPhone aussi. Voilà. Je sens que ça doit coûter bien cher. Et sinon, à part ça, ça va. C'est que matériel. Ouais. C'est ce qu'on dit tous. C'est que matériel. Mais bon, à notre époque, que faisons-nous sans matériel? Là est la question. Moi, je vais vous répondre. On fait rien sans matériel. Quand le matériel, il se brise, on pleure toutes les larmes de notre corps. 147€. Oh, Apple, vous êtes vraiment des enfoirés. Allez, à midi, ça sera haricots verts et steak de soja avec un petit peu de blanc de dinde. Et on mange tout ça au milieu des cours. Moi, je devais aller déposer des CV cet après-midi en ville et tout pour trouver du boulot pour cet été. Mais je préfère avancer finalement dans mes révisions. Et là, du coup, j'ai fini de manger. Donc, je vais passer l'après-midi à réviser. Et ensuite, j'irai faire les courses alimentaires parce que j'ai le frigo de vide. Mais vide, un truc de fou. Voilà. Non, le coca, c'est pas moi. Hein. Je le bois pas. J'ai horreur des sodas. Donc, j'ai mis ma gaine, comme vous pouvez voir. Tout simplement parce qu'en fait ce matin, je me suis fait un peu mal au dos à la muscu. Forcément je l'ai beaucoup travaillé, donc du coup il tire un peu là et pour me soulager un peu j'ai mis ma gaine, non pas pour m'essir mais juste pour me maintenir un peu et me soulager, et ça va beaucoup mieux maintenant que je l'ai mis. Donc du coup je vais la garder pas longtemps, juste une trentaine de minutes, le temps que ça passe, parce que apparemment j'ai entendu dire que ça avait fait polémique, comme quoi en la gardant trop longtemps et trop serrée, ça pouvait déplacer les organes. Du coup je fais quand même attention au cas où, je la mets pas souvent et pas trop longtemps et pas trop serrée. Mais là du coup elle me maintient bien le dos, donc ça me soulage énormément. Donc allez, je vais faire la vaisselle. Tout à l'heure, je me suis fait mal au dos au sport, donc je sais pas si j'ai fait un faux mouvement ou quoi, mais j'ai pas senti sur le coup, du coup, j'ai continué ma séance, et là maintenant que mes muscles se refroidissent, ça me tire énormément, donc je vais essayer de faire quelques petits étirements, et ensuite je vais mettre à travailler, il y a tout de près derrière, je vais bosser toute l'après-midi. Bon, ça a craqué, donc je pense que ça ira déjà un petit peu mieux. Mais j'ai toujours mal, hein. Tant pis. En même temps, j'ai pas trop l'habitude de travailler le dos. J'ai commencé il y a pas très longtemps, comparé aux jambes et tout. Donc faut le temps qu'il se muscle bien. Bon alors là je vais aux courses, je fais une pause dans mes révisions, j'ai la tête dans le cul complet et du coup je vais en profiter pour vous montrer un petit peu ce que je prends à manger habituellement. Donc c'est parti, je vous embarque avec moi. Donc je vous ai pas précisé mais là du coup ça va être des courses sans glucides ou vraiment quasiment pas parce que je suis en sèche et du coup j'ai arrêté les glucides pour le moment. Et ça va être aussi des courses sans gluten ou presque parce que, alors je ne suis pas intolérante, plusieurs m'ont fait la réflexion. Du moins, je ne sais pas encore ce que je suis, il faut que je fasse des examens. Mais une chose est sûre, c'est que je ne supporte pas le gluten. Donc du coup, j'essaie de l'éviter. Bon alors désolée, j'ai pas filmé depuis un petit moment. Je suis rentrée des courses et je vais vous présenter en fait ce que j'ai acheté. Mais je me suis dit que j'allais le faire en vidéo directement, donc là je viens de tourner la vidéo si jamais ça vous intéresse. Mais voilà en gros tout ce que j'ai présenté, donc c'est tout ce que je mange dans une semaine, et je me suis dit que ça serait peut-être plus intéressant pour vous de le voir vraiment dans une vraie vidéo construite plutôt que vite fait dans un vlog, étant donné que vous me posez beaucoup la question. Et donc là je vais aller me faire à manger, comme ça je pourrais finir de réviser un petit peu
vite fait après. Vous savez ce trait d'eyeliner que vous mettez tant de temps à faire et que vous essayez d'arranger, de réarranger, de réépaissir pour réarranger, etc. Puis au bout d'un moment quand même vous vous dites faudrait peut-être que je me regarde dans le miroir. Puis en vous regardant vous vous rendez compte que votre trait fait 3 mètres de long. Ben voilà. J'avais oublié de vous filmer mon repas. Donc ce soir c'est courgettes, carottes, aubergines avec steak de soja à la tomate et aux herbes de Provence. Et en dessert un petit Activia vanille avec un thé. Et en arrière-fond, oui, vous entendez les Marseillais. Parce que oui, je regarde les Marseillais. Voilà. Shame on me. Yeah. Bon, il est 20h15. Ça fait à peu près une heure que je suis couchée, que j'ai fini de manger. Je me sens pas bien du tout en fait. Enfin, comme vous savez, ce matin et tout, depuis hier, je suis malade. Ce matin, j'avais de la température. Dès que je me lève, j'ai envie de tomber. Enfin, du coup, je reste couchée. Comme ça, je peux pas tomber plus bas. Je suis genre en bas. Donc, voilà. En plus, je suis congelée. Donc, voilà. Du coup, bah là, je vais arrêter le vlog ici. Alors, je sais qu'il aura peut-être pas été aussi intéressant que mes autres vlogs. Mais voilà, en ce moment, je suis toute seule. Je révise pour mes partiels. Donc, mes journées, elles sont pas folles. Mais je me suis dit que j'allais quand même vous filmer un vlog vu que ça faisait longtemps que je n'avais pas filmé. Donc voilà, j'espère que quand même ça vous aura plu. Voilà, sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Moi, je vais aller me reposer et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Bisous, bisous.